Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Age of Empires, donc le premier. Donc pour la suite de la campagne, toujours en Égypte, et oui toujours, mais bon je pense qu'on va pas tarder à arriver à la fin. Je sais plus combien il y a de scénarios pour l'Égypte, mais il y en a pas des masses non plus. Et donc on arrive au scénario commerce, donc c'est parti. Alors, commerce, 2000 avant Jésus-Christ, instruction du scénario. Maintenant que vous avez maîtrisé les techniques d'agriculture au bord du fleuve, votre civilisation se développe et atteint un niveau de sophistication inédit. L'accroissement de vos richesses rend possible le commerce avec d'autres cultures. Le pharaon vous demande de tirer parti de votre position à proximité de la côte pour aider à rassembler les ressources nécessaires à l'édification d'un fabuleux temple. Votre contribution a été fixée à 1000 points d'or et 1000 points de pierre. Vous pouvez obtenir de l'or en commerçant avec les Minoyens, les Cananéens ou les Libyens, mais certains d'entre eux peuvent se montrer agressifs. Vous trouverez de la pierre à proximité. Comme par hasard, hein, y a des méchants. Pour pas changer, on va dire. Donc amassez 1000 points de pierre et 1000 d'or. Alors au niveau de l'historique, il y a quoi ? L'Égypte se développa rapidement pour devenir une des plus grandes civilisations de l'Antiquité et celle qui se maintint le plus longtemps. Maintint ? C'est pas maintient ? Je sais pas, ça dépend peut-être de... Bon, je sais pas. Ça me paraît un peu étrange. Bien que rarement en pointe des innovations, la civilisation égyptienne se distingua par son architecture, son art et sa science. Les pyramides furent édifiées vers 2500 avant Jésus-Christ et constituent une réalisation des plus stupéfiantes pour l'époque. Du fait de sa richesse agricole, l'Égypte devint un partenaire commercial incontournable. De nombreuses régions moins fertiles convoitaient les céréales et les textiles égyptiens. De son côté, l'Égypte manquait de bois et souhaitait se procurer du vin, du cuivre, de l'étain, des huiles, de l'or, des chevaux et du bétail. L'embouchure du Nil constituait une étape de commerce importante pour les Minoyens, les Cananéens, ainsi que pour les commerçants qui leur succédèrent. Alors deux secondes avant de lancer, je vais fermer la fenêtre parce que là, il y a des putains de tracteurs et des camions qui passent. Voilà, ça va être mieux déjà. Parce que sinon, c'est pas très agréable à entendre en permanence, vu qu'on est à côté d'une route. Dans ma chambre, on n'entend pas grand-chose, mais là, vu que c'est dans le salon, c'est un peu moyen. Allez, c'est parti. Alors. Donc l'essentiel pour l'instant, on cueille de la bouffe et on crée des persos. Donc apparemment, les Libyens, ils veulent me casser les couilles, déjà. Dès le départ, ils me mettent en ennemi, ça commence bien. Allez, hop, toi, tu vas ramasser aussi. Bon, on va faire des bateaux, tiens. Peut-être un navire de commerce, déjà. Puisqu'on peut gagner de l'or comme ça. C'est vrai que ça, je vous l'ai pas dit, mais y a deux moyens de gagner de l'or dans le jeu. C'est choper, évidemment, des mines d'or, la base, et faire du commerce, évidemment. Par contre, dans le premier jeu Vampire, si je dis pas de conneries... Ouais, mis à part le bateau de commerce qui ramène un peu de thunes, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Parce que, ouais, dans le deuxième Age of Empires, on peut gagner de l'or et... Enfin, par bateau et aussi par... comment ça s'appelle? Par caravane, ils appellent ça. Enfin, je sais plus exactement c'est quoi le nom, mais c'est des espèces de charrettes de commerce, quoi. Je crois que ça s'appelait comme ça, d'ailleurs. Enfin, bref, c'est un nom dans le même genre. Mais dans le premier Age of Empires, ça fonctionne différemment, il n'y a que les bateaux. Et en plus, vous remarquez en bas, on choisit. On échange de la nourriture contre de l'or, ou du bois contre de l'or, ou sinon de la pierre contre de l'or. Donc c'est pas du tout pareil que dans le deuxième Age of Empires, où on fait du commerce avec que dalle, en fait. C'est aussi simple que ça. On échange entre les ports et les marchés de la thune. Mais il n'y a pas de contrepartie, on perd pas... du bois ou enfin n'importe quelle ressource. Que là on est vraiment obligé de faire un échange. Alors après je sais plus combien ça prend exactement, mais ça fonctionne différemment quoi de ce côté là. Donc je vais recréer des persos, hop, donc on va continuer d'examiner. Faut que je trouve le port assez rapidement, comme ça quand j'aurai de l'argent ça sera plus simple pour moi. Je pense que les Libyens vont bien me faire chier aussi. Je vais faire une caserne d'ailleurs au cas où. Ah merde, j'ai pas assez de bois. Hop, toi tu vas bûcher. Alors. Donc là on voit qu'il y a de l'or. Tiens, il y a un port là, c'est parfait. Nickel.
Donc là, vous voyez, j'ai 20 d'or. Et par contre, là, j'échange quoi? Je crois que c'est du bois que j'échange. Hein. Faudrait mieux que je mette de l'argent. Ça va être plus simple. Voilà. Et donc maintenant, il va faire l'aller-retour à l'infini, quoi, tout simplement. Il fera l'aller-retour et à chaque fois, vous voyez, là, il emmène de la viande. Etc. Etc. Alors, toi, tu vas bûcher aussi. Ah, eux, ils ont déjà fini. Bon, on va chasser. Les baies qui sont ici, je les garde pour après au cas où. Je préfère d'abord chasser parce que des fois les animaux ils ont peur des êtres humains évidemment. Ils ont tendance à fuir. Bon, ils fuient pas à 10 km non plus, mais je préfère le faire dès le départ. Et comme ça, moi j'aurai pas de soucis. Hop. Donc on va faire une caserne. Parce que là ils sont tous en train de se mettre en ennemis et franchement j'aime pas ça. Là. Je regarde neutre. Minoyen, hop, je me mets en ennemi aussi. Bah, apparemment, les Cananéens, c'est des alliés, donc ça, c'est pas mal. J'ai au moins des potes, même s'ils ont un score très inférieur à nous, si vous regardez en bas, c'est les plus bas. Mais au moins, j'ai un pote, c'est déjà ça. Hop. Donc, on va créer des unités. Donc, lui, le navire, c'est bon. Bon, je vais recréer un plus tard quand j'aurai plus de bois. Et je vais recréer des bonhommes. Donc ouais, donc le puits de stockage, maintenant on a des nouvelles technologies à développer. Et comme je vous avais expliqué, le puits de stockage a des technologies un petit peu étranges à développer. Et c'est bien ce que je pensais, en fait je confondais avec le marché, parce que le marché en fait nous propose, propose d'augmenter le taux de rendement des villageois qui ramassent de l'or, de la pierre, enfin toutes sortes de ressources. Et en fait, normalement, ça devrait être dans le puits de stockage, logiquement, quoi. Et c'est comme ça que c'est fait dans Age of Empires 2, d'ailleurs. Mais dans celui-ci, le puits de stockage permet de développer des petites technologies qu'on voit en bas. Donc, outillage, ça donne 2 points au corps à corps. Armure en cuir, 2 points à l'armure des fantassins. Armure en cuir encore, donc c'est 2 points à l'armure des archers et 2 points à l'armure des cavaleries. Donc ce genre de technologie, ça peut être utile évidemment pour se battre contre ses adversaires, logique. Mais pour l'instant, je vais pas développer ça. C'est pas une priorité à mes yeux. Même si ça se trouve, je vais prendre cher. Oh putain, il m'attaque déjà. J'avais même pas entendu la sonnerie, donc comme ça. Sauf qu'ils vont péter mon bateau vite fait, bien fait là. À moins que je leur dis de réparer, mais j'ai même pas assez de bois. On va essayer de faire comme ça, mais c'est un petit peu la merde. Et c'est qui m'attaque? Ouais, c'est les minoyens en plus. Ah, putain, bande d'enculés, j'ai envie de dire. Allez, va le shooter. Hop, je recule un peu. Ah, ils ont plus de portée que moi en plus, les salauds. Donc ils vont me dégommer mon bateau. Là. Non, 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 reste là. Putain, ils vont me dégommer mon navire marchand, ça commence déjà à être la merde. Bon, on va continuer de créer des villageois. On va se démerder comme ça. Petit à petit, je vais peut-être réussir à les péter comme ça, mais bon, c'est un peu longué, quoi. C'est pas la technique idéale. Voilà, ils m'ont pété mon bateau le temps que je choisisse des bûcherons. Ah oui, non, on va leur dire d'aller là-bas. Ça va être plus simple vu que c'est à côté du puits de stockage, c'est plus rapide. Par contre, là, mon port, il est en train de prendre cher. Oh putain, on m'attaque même avec des archers, mais... Les bandes d'enfoirés, quoi. Ils me laissent le temps de rien faire, c'est abusé. Ça va les balistes normales, tu veux de laine. Alors ça les balistes c'est des trucs qui font très mal, comme vous voyez ça one shot les villageois. Sauf que c'est un peu abusé parce qu'on est juste au début de la partie et ils se ramènent déjà avec ça quoi. Je sais pas si je vais faire long feu ou pas, mais je suis un peu dans la merde. Hein. Je vais leur dire de réparer vite fait, mais ça va être mort je pense. Toi l'archer tu dégages. Putain c'est des enculés quoi, ils sont surarmés les types. Oh ça va, je répare plus vite que la destruction. C'est
C'est souvent comme ça, hein, quand je suis en galère, ça finit en mode faut réparer le plus vite possible. Mais normal, les Libyens, ils construisent ça à côté de chez moi, ils ont cru, ils dégagent. Ils construisent ça dans mon camp, carrément. Normal. Bon, lui, il est bientôt pété, donc là, je peux gagner. Voilà, dégage. On répare le bateau. Voilà, allez, c'est reparti, on va shooter celui-là. Là, c'est tendu quand même dès le départ. Il y a une armée qui arrive, c'est un peu abusé. Hein. Ils ont fait fort. Et dire que je suis en mode facile, quoi. C'est ça le pire. C'est dans la poche. Hop. On va le réparer, hein, évidemment. Voilà. Donc, je crée un autre bateau en même temps. Hop, ça, on va le mettre avec eux. Du coup, j'hésite parce que ouais, si je fais des tours de gui aussi, ça va me coûter très cher en pierre. Et faut savoir que la pierre dans ce jeu-là, elle est un peu galère à trouver, que ça soit dans le premier jeu Vampire ou le deuxième. Parce qu'il n'y en a pas des masses en fait. Les spots de pierre sont assez petits en général, il n'y en a pas beaucoup. Alors que ça sert dans beaucoup de constructions évidemment, surtout les constructions défensives, tant qu'à faire, donc ça fait bien chier. Et puis on peut pas vraiment commercer ça, quoi. Surtout dans le premier jeu Vampire, déjà c'est niveau commerce, c'est pas aussi développé que les jeux Vampire 2. Et dans le deuxième, à la fin on finit par acheter la pierre en permanence, sauf que ça coûte une blinde, quoi. C'est souvent comme ça que ça se termine. Putain, ils sont deux, quoi. Hop hop hop, tu me pètes pas mon bateau, fais chier, putain. C'est abusé. Va falloir que je fasse une armée de bateaux, quoi. Je vais pas avoir le choix. On va continuer de faire des villageois. Alors je regarde mes habitations et je vais pas tarder à être full en population. Genre ils m'ont déjà pété le bateau, quoi. Mais putain, ils sont hyper résistants. Hein. Ah non, lui il est en feu. Je vais essayer de le péter. Vas-y, casse-toi comme par hasard. Vous voyez, ils tirent et ils arrivent à se barrer en même temps. Enfin, elles sont cheatées les IA dans le jeu. C'est abusé, quoi. Et les archers, ils font pareil avec vos fantassins. Du coup, c'est un vrai cauchemar, quoi. À chaque fois, on joue à achat, quoi. Faut essayer de l'attraper, c'est hyper dur. Bon, on va continuer de faire des unités. Là, niveau bouffe, c'est pareil, ça commence à être limite. Faudrait que je fasse plus de persos, mais bon. J'ai personne pour me protéger, quoi. Je vais essayer de faire 2-3 bateaux, assurer l'eau, déjà. Protéger mon port, parce que c'est pareil, ouais, mon navire marchand du coup il est pété. Faire tout ça et puis après on verra. Toi, tu rejoins la colonie. Je vais mettre un mec à la bouffe. Voilà. La bouffe. Ah là, il me faut vraiment de la bouffe, hein. Franchement, ça va être tendu cette histoire. Alors aussi, c'est vrai que là, on est qu'au début du jeu, et vous avez remarqué que des fois, bon, les parties, elles durent à peu près, pour les plus grosses que j'ai fait, on va dire à peu près une demi-heure, quoi, globalement. Mais ça peut durer des heures, donc c'est pour ça que je vous avais dit, quand je ferai des grosses parties, je couperai des passages, entre guillemets, inintéressants. Ça sera quand même en plusieurs parties, hein, si c'est une partie qui fait 3 heures et que j'ai pas le choix, c'est comme ça, hein. Parce que moi je suis quand même un joueur assez lent, et même quand je joue en multi avec mes potes, en général on fait des parties de 5-6 heures. Hein, en général, bah, quand il y en a un qui va manger, bah, il se met à FK et puis il compte sur l'autre pour le protéger. En général, on fait une troupe armée avant pour se défendre au cas où. Et puis voilà quoi. Donc, je vous cache pas, des fois que je passe des heures et des heures dans une journée juste pour jouer une partie sur ce jeu. Bah, après, ça peut se faire beaucoup plus rapidement hein, si vous rushez et tout, mais bon, moi c'est pas ce qui m'intéresse quoi. Comme je vous l'avais déjà expliqué, c'est pas, ça m'intéresse pas de rusher comme un peu. Y a pas d'intérêt quand on construit même pas son empire en fait. C'est juste, je te pète le plus vite possible et on n'en parle plus. Quoi. Donc ça m'intéresse pas vraiment ça. Donc je fais ma petite armée de bateaux, j'en fais 4-5. Et je pense qu'on sera pas mal. Hop, toi tu vas chasser le petit. C'est un cerf, je crois, hein, il me semble. Ou une antilope, je sais plus. Ah, c'est une gazelle. Aucun des deux, comme ça c'est fait. Voilà.
Le petit bateau, on en refait un. Ah merde, encore l'histoire des habitations. J'avais pas déjà fait une maison. Faut croire qu'elle se remplit vite. Mais après, je crois qu'une seule maison, c'est juste 5 persos. Hein. Donc c'est vrai que vu que j'ai fait des villageois, des mecs à la hache, plus le bateau, c'est clair que ça suffit pas. Je vais même en faire deux, comme ça sera fait. Donc voilà, voilà. Hop, ça. Je vais peut-être faire un petit navire pêcheur. Ça peut être valable, on va dire. Voilà. Bon, on est pas mal. On remonte la pente petit à petit. On va voir si ces connards-là, ils sont toujours ici. Ah, les voilà. Et voyez la vitesse où ils vont. À deux, limite, ils vont me péter, quoi. Mais ça, je trouve pas ça normal, c'est cheaté, la manière dont ils jouent, les IA. Mais sinon, moi, je pourrais le faire, c'est genre, je tire, hop, je recule, je tire, hop, je recule. Mais vous voyez, je peux pas faire comme eux, quoi, je suis pas une IA, moi. C'est ça qui est cheaté, quoi. Hop, on retourne au bercail. Ah, tiens, il y a des mecs, ça. Bah, c'est des méchants, ça, en plus. Bon, je vais peut-être les faire chier après, mais vu que j'ai pas une grosse armée, là, je vais pas faire le fou. Parce que vu que j'ai vu des balises tout à l'heure... Ça m'a fait un peu peur, quoi, parce que ça peut faire très très mal, et honnêtement, j'ai pas envie de tâter la baliste, quoi. Comme vous avez vu, ça one-shot les villageois, j'ai pas trop envie de tenter. On va réparer les petits bateaux. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, parce qu'apparemment, ils peuvent venir de là. Bon, je pourrais faire une petite tour au cas où, allez. Ça me coûte de la pierre, mais bon, je prends le risque. Faire une petite amélio, voilà, une petite tour quand même. Ça coûte combien déjà? 150 de pierre. Putain la vache, je me rappelais pas que c'était aussi cher un jeu. Ils se foutent pas de notre gueule de ce côté là. On va refaire un petit navire marchand en même temps. Hop. Et après on va faire un marché et puis et faire des fermes, parce que là niveau nourriture ça va être limite. Je vais explorer un petit peu là-bas, mais je pense que ça va être très limite de ce côté-là. Donc toi, au lieu de chômer, hop, on va te faire travailler. Voilà. Bah toi, tu vas continuer à échanger avec l'autre, là. Putain, évidemment, faut qu'il m'attaque sur le trajet. Ah non, c'est pas... Ah oui. Merde, c'est un de mes bateaux, quoi. Il était isolé, lui. J'ai pas capté, là. Pas vu partir le truc. Allez, fuis comme une tarlouse. Allez, dégage. Faudrait que je shoote leur port, mais là c'est limite quand même. Faudrait que j'attende d'avoir un peu plus de quoi me défendre au cas où s'ils ripostent. Et ça, je pense que je pourrais le faire sinon. On va te mettre là. Hop, toi tu fais quoi? T'as fait le marché, c'est bon, on fait la ferme. Ça je vais l'améliorer, ça peut être pas mal. Ah ouais, mais 200 de nourriture, ah ouais, je suis vraiment à la ramasse moi niveau nourriture. Est-ce que je peux le pêcher ça? Parce que c'est pareil, les villageois peuvent pêcher, mais que les poissons côtiers en fait. Parce que vous voyez, ils pêchent avec une lance. Donc c'est que vraiment ce qui est au bord de l'eau. Mais ça peut aider aussi, quoi. Alors, en l'occurrence, ça aide. Là on est pas mal. Ah oui, j'avais pas vu qu'il chômait. Hein. Vous allez faire des petites fermes, ça va vous occuper. Voilà. Bon là c'est du bois. Je serais bien tenté de faire une autre tour, mais pour ça faudrait de la pierre. Et c'est pas vraiment ce que j'ai. Oula, il y a un lion. Ouais, comme par hasard, allez, attaque-moi. Non, c'est pas grave, ça fait de la viande. Toi qui me tue pas, mon villageois, ça va. Bon, on va refaire un petit bateau quand même, vu que j'ai du bois. Encore les habitations, putain. J'ai fait deux maisons, c'est déjà plein, quoi. Pas de soucis. On va en refaire. En plus, on gagne de la place vu qu'on coupe du bois. Alors, faut savoir que le bois ne repousse pas, hein, si vous posez la question au cas où.
Il y a des jeux où ça c'est géré, le bois qui repousse, mais que ce soit les jeux Vampire 1 ou 2, en tout cas, le 3, je m'en rappelle pas. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais le 1 et le 2, en tout cas, le bois ne repousse pas. Parce qu'évidemment, le temps est accéléré, hein. Vous imaginez bien, le temps n'est pas vraiment réaliste. Parce que, par exemple, quand on construit des merveilles, on doit la surveiller pendant 1000 ans ou 200 ans. Enfin, je sais plus exactement c'est quoi le nombre d'années. Et les années, en fait, elles passent quasiment en secondes, quoi. Donc, enfin, c'est peut-être pas en secondes, mais on va dire un an, c'est 2-3 secondes et on passe un an, quoi. Donc, c'est juste pour montrer un cycle, en gros, mais il est pas forcément réaliste. Allez, continue de pêcher. Les petits bateaux, on va les mettre là. Donc là, je vais pouvoir en refaire, du coup, c'est pas mal. Bon, là, avec toutes les maisons, je suis tranquille. Je vais pouvoir faire une petite armée. Bah, du coup, j'ai plein de bouffe, ça tombe bien, ça. On va créer d'autres persos. Donc, mon objectif, déjà, c'est quoi? C'est pierre et or, si je dis pas de conneries. Donc, l'or, elle monte tranquillement. Faudrait que je fasse d'autres navires marchands, tiens. Ça va aider. Lui, il pêche bien, bon, sauf que là, ça va bientôt être vide. Bon, je pense qu'il y en a d'autres, du poisson. Ouais, il y en a là. Bon, c'est un peu loin, mais bon. Ah ouais, carrément, il a des catapultes, ok. C'est pas mal. Ça va, le mec, il est surarmé, quoi. C'est pas mal. Il faudrait mieux que je fasse gaffe à mon cul, alors. Allez. Le problème, c'est qu'il y a un archer qui peut me toucher. Les catapultes, encore, vu que le boulet prend du temps à toucher le bateau, ça va. Mais l'archer, lui, c'est plus rapide. Donc, ça risque de niquer mes navires marchands, un de ces quatre. Donc, ça va être problématique aussi. On va mettre ça là. Je mets ça un peu au pif, là, mais bon. C'est pas non plus primordial, quoi. Des fois, j'amuse à faire des villages à peu près symétriques, des choses comme ça, mais bon, là, c'est pour l'instant, on s'en fout. C'est plus quand je joue vraiment pour moi, quoi. Mais là, vu que je sais que le but du walkthrough, c'est pas que je meure, hein, parce que sinon, je vais tout me retaper, logique. Donc, on va éviter de perdre du temps à faire des belles architectures, on va dire. Bon, j'ai une bonne petite armée, là, ça passe. On va pouvoir commencer à se promener avec. Lui, il fait quoi? Ah oui, c'est vrai, il chassait le fameux lion. Hop. On va explorer avec ça, déjà, voir ce qu'il y a. Si je peux choper de l'or ou de la pierre. La fameuse pierre. Donc évidemment, elle va pas être à côté de moi, parce qu'il dit sa proximité, mais bon, vite fait, quoi. Pas d'ennemis sur la route. Les rouges, je sais pas où ils sont, parce que c'est mes alliés, mais j'en ai pas encore vu. J'ai vu des jaunes m'attaquer. Il y a les marrons avec leurs catapultes qui veulent me dégommer, mais il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de rouge, quoi. Ça se trouve, c'est juste 2-3 maisons, histoire d'eux. Rien à l'horizon pour l'instant. Ah, ça c'est de la pierre. Donc vous voyez, c'est ça les pierres que je disais. Donc il y en a 250, bah si, là il y aurait de quoi avoir les 1000. Bah allons-y. On va faire un puits de stockage. Par contre après, faut défendre les lieux, ça va être autre chose. S'il y en a qui vont forcément vouloir m'attaquer. Donc ça va être chaud. Lui se met à bugger. Allez, dégage. Les IA là-dedans, quand elles se mettent à bugger, elles tournent en boucle. Hein. C'est, tant qu'on les a pas aidés à se débloquer, ils resteront comme ça. C'est problématique, ça, mais c'est une habitude, quoi. Vu qu'il n'y a pas trop de personnages à gérer, ça va quand on boit assez rapidement. Hein. Hop, toi, tu viens là. Hop, 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 voilà. Toi pareil. Nickel. Bon, on va refaire d'autres persos quand même pour avoir la pierre assez vite. Je suis à combien de temps?
25 minutes déjà, ça passe super vite. En or, ça va, ça se passe pas trop mal. On va faire d'autres navires marchands pour aller plus vite. Ah, il essaie toujours de shooter mon navire, l'autre. Il y a deux archers de merde. Je pense que je vais prendre le risque, même si les catapultes, ça risque de faire très mal si elles me touchent. Mais je vais prendre le risque quand même de les dégommer. Je prends le risque. Alors attendez, parce que là, il n'y avait pas 4 bateaux normalement. Ou j'ai pas dû les prendre, je sais pas. Bon, c'est pas grave, au pire ça me fait deux bateaux en rab au cas où. Je vais essayer de les shooter, mais ça va être chaud. Oh putain. Oh, il y en a deux en plus, les catapultes. Bon, on va buter les archers déjà. Hop, j'essaye d'esquiver les boulets, hein, évidemment. Voilà, ça fait déjà ça de moins. Putain, comment ça dégomme les bateaux, quoi. Voilà. Hop là. Aïe, aïe, aïe. Ça fait très mal. Non, 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 putain, merde. Putain, c'est hyper résistant, en plus, ces catapultes. Allez, viens par là que je te dégomme. Ouh là 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 là, putain. Il y a la deuxième. Ah, elle s'est mis... elle s'est cachée, là, ça y est. Elle a plus de vie, elle se fait la malle. Ça revient par là. Voilà, nickel. Déjà une de moins. Bon, on est pas mal. Je reviens au bercail, je vais réparer tout ça. Alors, eux, ils sont au chômage. Ils ont plus de ferme. Comme ça, c'est fait. Hop. Toi, voilà. Et toi... Voilà. Toi, ça tombe bien, t'es au chômage, tu vas faire de la réparation. On va recréer un perso. Bon, sinon, là, ça se passe pas trop mal, c'est bon, ça mine. Bon, ça va, ça monte vite, là, quand même. Donc, niveau or, c'est pas mal non plus. Hop, tu répares celui-là aussi. Je vais en refaire un, encore. Celui-là, finalement, il y en a combien de navires marchands? Il n'y en a qu'un en fait, les autres ils ont été shootés, putain. C'est abusé ça. Je vais continuer à en refaire. Donc, ouais, nourriture, hop. Bon, ça serait bien qu'il me le dégomme pas celui-là, ça m'arrangerait. Allez, mes bateaux ils sont où là? Je les ai mis où? Hop. On va occuper les catapultes. Toi, c'est pareil. Allez, la catapulte, elle est où? Là, elle était par là. Ça, c'est de la pierre, d'ailleurs, je crois. Oula. Merde. Attends, je vais en profiter pendant qu'elle bug contre l'arbre, comme par hasard, elle se débug. L'IA est capable de se débugger, mais c'est que l'IA ennemi, quoi. C'est ça qui est dégueulasse, quoi. Ouais, t'as cru, toi. Allez, reviens par là, que je vienne te déloger. On va attendre qu'il se rapproche des côtes. Allez, je prends le risque. Voilà, c'est bon. Nickel, Chrome. Allez, dégage avec tes catapultes. Donc 500 or, 799 en pierre. On est pas mal. On arrive bientôt au bout, là. Toi, tu vas réparer en masse. Je vais refaire des bateaux quand même au cas où, on sait jamais, parce que s'ils voudraient m'attaquer, c'est salaud. Évidemment, faut que je fasse des maisons. Je vais utiliser le raccourci clavier. Faut que je me rappelle, parce qu'à chaque fois ça change. Parce que là c'est B pour construire, après D pour la maison. Mais dans l'autre AOE, je crois que c'est pas ça. Il me semble que c'est E. Mais j'ai un doute, parce que là du coup je joue avec celui-là, maintenant j'ai un doute. Mais chaque AOE a ses raccourcis clavier, c'est jamais les mêmes. Donc c'est pas évident à retenir. Hop,
Toi, tu viens là, je te répare. Donc là, la pierre, ça se passe pas trop mal. Du coup, on va dire à quelques bûcherons d'aller miner, hein, puisque le bois, là, ça y est, j'en ai large. Après, j'en ai pas si large que ça, hein, parce que là, vous dites 1300, wow, c'est énorme. Par rapport à d'habitude, c'est vrai que c'est énorme par rapport à d'habitude, je veux bien le croire. Mais sinon, c'est pas extraordinaire. Hein. Sur Age of Empires 2, ça arrive souvent de dépasser les 100 000, donc... Et même si on a 100 000, quand on veut vraiment faire une big armée puissante, vous inquiétez pas que les 100 000, ils flambent. Donc voilà. Donc ça, c'est bon. Lui, bah, il va aller rejoindre les mineurs. Donc ouais, c'est bon, j'ai 1000 de pierre. Par contre, je vais vérifier si c'est vraiment 1000, parce que c'est au-dessus, c'est 1200, un truc comme ça, que je suis averti. Ouais, donc c'est 1000 de pierre et 1000 d'or, on est d'accord. Donc au moins, je les ai, c'est bon. Donc l'or, 655, il n'y a pas moyen d'accélérer les choses. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas de mine d'or, comme par hasard. Je vais essayer d'explorer, d'en voir s'il y en a. Bon, je vais prendre qu'un bonhomme, parce qu'au cas où, si on m'attaque ici... Je sais pas s'il y en a, c'est vrai que ça sera un gain de temps. J'ai quand même recréé des bateaux en attendant. Hop, je suis à combien de temps? 31 minutes, bon ça va, vu qu'il me reste juste de l'or, ça devrait aller. Mais je pense que les prochaines vidéos, ça sera des morceaux de partie en fait. Parce que là, on commence à attaquer des longues sessions de jeu. Enfin, on va dire des moyennes, parce qu'elles bon, sont pas encore très longues, évidemment. Hop, tiens, tu vas aller chez les jaunes, toi, ça va t'occuper. Alors, toujours pas d'or. Bon, il y a beaucoup de gibier ici, hein, par contre, si vous voulez en tuer, c'est le meilleur endroit où aller. Hein. Bon, là, j'ai l'impression que je suis au bord de l'eau, donc ça va être pareil là-bas, j'imagine. J'y vais quand même, mais bon, je crois que je peux faire une croix sur l'or. J'ai l'impression qu'ils en ont vraiment pas mis pour forcer le joueur à utiliser les navires marchands, quoi, tout simplement. Alors, il gagne combien, lui? 20, toujours. Parce qu'en fait, là, apparemment, il gagne que 20. Je sais pas si c'est géré de la même manière. Mais il faut savoir, dans le Age of Empires 2, ça dépend de la distance, en fait. Plus le port est loin, plus on gagne de thunes. Et c'est pareil pour les marchés avec les charrettes de commerce. C'est toujours le même système. Plus on est loin, plus on gagne de thunes. Que là, bah, on a beau être quand même... Bah, pour le jaune, il est quand même un peu loin, quand même. Mais on gagne pas plus que le marron. Donc c'est comme ça. c'est de la manière dont est conçu ce jeu. C'est pas du tout pareil qu'Age of Empires 2 en fait. Bon bah on arrive au bout. Hein. Encore un peu d'or et puis ça devrait aller. On va arriver à 900 là avec les deux qui arrivent. Ah, ils donnent même pas 20. C'est pas assez bizarre ça. Là, il a 20 d'or. Attendez, on va regarder le compteur, parce que là, les autres donnaient pas 20. C'est bizarre. 20 d'or. C'était à 97, je crois. Enfin, ça donne pas 20, en tout cas, c'est bizarre. Là. Je suis à 10, là, on va voir ce que ça donne. 12. Ouais, ça donne 12 d'or. C'est bizarre que ça marque 20, et en fait, ça en donne 12. Ou ça dépend peut-être le prix de la bouffe par rapport au... Plus on a de la nourriture, moins elle coûte cher, peut-être. Je sais pas, ça fait pareil que Age of Empires 2. Parce que dans AO2, en fait, plus on achète des ressources, en gros, plus on en a, moins elles sont chères à vendre. C'est logique, quoi. C'est la loi de l'offre et de la demande, quoi. Ça va pas plus loin que ça. Mais dans Age of Empires 1, c'est pas explicitement marqué, quoi. Que dans Age of Empires 2, on voit la cote du prix des ressources qui monte ou qui descend selon les moments. Ah bon, bah voilà, j'ai gagné. Et donc du coup, pour finir pour l'explication, bah, on sait que tel produit coûte moins cher, du coup, faut mieux faire celui-ci, etc. Que là, dans les jeux Empire 1, c'est pas marqué, donc ça se trouve, c'est peut-être scripté, c'est peut-être codé pour que ça fonctionne de la même manière, mais c'est pas expliqué au jeu, en tout cas.
Alors, la richesse de l'Égypte attira très tôt des commerçants et l'Égypte devint alors une des étapes commerciales obligées sur la côte méditerranéenne. Le commerce était une composante importante de l'économie égyptienne. L'Égypte exportait principalement des céréales, du vin, de la nourriture, du papyrus, du lin, des parfums, de l'or et des biens manufacturés, statues, bijoux et cuir, et importait du bois, du cuivre, de l'argent, de l'étain et des poteries. L'Égypte parvint à repousser les attaques barbares de 1200 avant Jésus-Christ, mais n'échappa toutefois pas au déclin, du fait en partie de la quasi-interruption du commerce à cette période. Alexandre le Grand ordonna l'édification d'une nouvelle capitale portuaire pour l'Égypte, baptisée Alexandrie en son honneur, et qui devint un des ports les plus importants de l'Antiquité. On construisit au large du port le grand phare de l'île de Pharos, qui fait partie des sept merveilles du monde. Il mesurait plus de 150 mètres de haut et sa lumière était visible à une cinquantaine de kilomètres. Des restes du phare détruits par un tremblement de terre ont été récemment découverts par des archéologues lors des fouilles sous-marines. Les céréales provenant d'Égypte étaient vitales pour les populations de Grèce et de Rome. Trop nombreuses pour être nourries par la seule production locale, il n'était pas rare que le gouvernement romain soit renversé lorsque les navires de céréales égyptiens tardaient à arriver et que le peuple affamé déclenchait des émeutes. Donc voilà, on a toujours la petit complément historique qui est intéressant. Donc du coup, on va regarder les rouges juste pour voir leur stats, parce qu'ils ont zéro partout, à part là. Ils avaient trois villageois. Et à part ça, ils avaient rien d'autre. Normal. Les mecs qui ont rien branlé de la partie, quoi. Mais en fait, les autres, ouais, c'était vraiment des militaires, quoi. Ils avaient leur petite armée. Surtout les marrons, parce que les marrons, c'était catapultes et tout. Remarque les jaunes avec leur baliste aussi, ils m'ont bien fait peur au début. Mais voilà. Alors c'est pareil, vous voyez le temps de jeu en haut. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Et c'est exactement pareil dans les jeux Vampire 2. Donc je sais pas comment ça fonctionne. Comme vous le voyez, là, on a combien ? On a 37 minutes de vidéo. Au début, j'ai commencé cette mission, on est d'accord, j'ai rien fait d'autre. Et la vidéo dure que 37 minutes. Et là, ils me disent que la partie dure une heure. Cherchez l'erreur, quoi. Je sais pas de quoi ça vient, c'est un truc que j'ai jamais compris. Et que je comprendrai sûrement jamais. Franchement, je sais pas pourquoi ça marque ça. Mais dans les jeux Vampire 2, c'est la même chose. Ça va mettre plus d'heures qu'on a joué réellement. Je sais pas du tout comment fonctionne le compteur d'heures dans le jeu, mais c'est assez particulier. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette mission liée au scénario du commerce. Et n'hésitez pas à commenter. Et moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine mission Croisade. Allez, à plus.